Je m'appelle Laurent Caléja, je suis ingénieur généraliste mécanique des arts et métiers. Sortant de l'école, j'ai embrassé une carrière industrielle tout de suite, jusqu'à intégrer ArcelorMittal il y a un an et demi environ. À Fos-sur-Mer, on fabrique des bobines d'acier en partant de minerais et charbon, donc c'est ce qu'on appelle une usine intégrée. J'ai un rôle d'ingénieur support mécanique, fiabilité. Le but de toute usine de production, c'est de tourner le plus possible. On tourne toute l'année, 24 heures sur 24. Ça a bien évolué depuis les années 70, avec des produits qui ont beaucoup évolué. On fait du plus large, du plus technique. Et puis, avec les années, il y a tout ce qui est informatique, traitement, analyse, données, qui est venu se greffer à des appareils qui étaient plutôt uniquement mécaniques à un moment, pour nous donner une meilleure maîtrise de notre process et de nos produits. Mon quotidien, c'est de venir en support donc à des zones de maintenance, maintenance électrique, maintenance mécanique. Alors la journée peut être très variable, hein, les jours d'arrêt d'entretien, on est plutôt sur le terrain. Sinon, c'est plutôt de la réflexion, de l'analyse de plan. Et il y a pas mal de polyvalence, toujours des nouvelles solutions à trouver. Tout ça, ça fait un métier très vivant, très riche. On est dans une bonne ambiance de travail, on est tous tournés vers le même objectif, arriver à sortir notre acier dans les meilleures conditions possibles. On peut se réaliser longtemps chez ArcelorMittal, pas forcément dans un seul métier. C'est la preuve qu'on mise sur nous, qu'on nous donne les moyens de réussir, ce qui fait qu'on se sent bien et qu'on a envie de donner le maximum aussi à l'usine, puisque celle-ci nous considère comme il faut.